Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et aujourd'hui, on va... Alors, on va essayer de draguer, mais, alors, déjà, il faut pas que je drague une femelle trop âgée, mâle. Ah, quoique, je suis quoi, moi? Je suis une femelle, je pense, non? S'allonger. Lâcher l'enfant. Analyser. Remplacer. Toi. Analyser. C'est une femelle, donc il faut bien que je drague un mâle. Porter le bébé. Voilà. Et donc, on va essayer de te draguer toi. Tu es bien un mâle, sans partenaire. Donc je fais toiletter. Voilà. En fait, je me suis renseigné et faut se fier au son. Ah, raté. Le premier, on le fait pas. Hop. Voilà, couple formé. Il fait le refuge de la cascade cachée. Ok. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le campement actuel du clan. Ah, et c'est là qu'on va aller faire un bébé, c'est ça? Avec le petit, avec soi, ça me paraît, pas ouf ouf, hein. Mais on va devoir monter, c'est ça? Refuge de la cascade cachée. C'est beau. Ouch, c'est moins beau. Vite, on va aller se cacher. Ok. Est-ce qu'on va devoir aller près du feu? Ça pourrait être une idée. Inspecter une météorite. Non, moi... Ok. Il faut que je trouve le feu. Là-bas, ok. Ouch! Ah! Attendez, on va recharger. Je peux pas mourir comme ça. J'ai mis ce clic. Oh non, sérieusement. Oh, sérieux. Fait chier. On a un mort dans le clan, ça va être génial ça. Non, non, je peux pas. De toute façon, ça... Ah, quoi que... Oui. On va voir si ça... Éventuellement, si ça a pas sauvegardé, c'est parfait. Parce que, franchement... c'est con comme mort. Oui, justement, moi, je veux pas de la sauvegarde auto. Oui. Faut que je le fais avec vous, parce qu'ainsi, je suis honnête. Par contre, le son... continuer. On verra, hein. Sinon bah, on n'aura pas le choix, faudra faire d'autres bébés, parce que ce serait con que le jeu finisse comme ça. Hein. Voilà, fin de l'humanité. Allez, charge. Mais j'ai atteint un objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire
comment dire, à former un couple. Mais ce serait con que dès que le couple est formé, pas eu le temps de faire un bébé, pouf, mort. Alors, je suis... Bon, on dirait que si, hein, on dirait que... C'est... Voilà. Mal. Mal sans partenaire. Bon, on va essayer de le faire draguer, hein. On va trouver une femelle sans partenaire. Et puis, on ira chercher le truc de la météorite. Toi, tu es quoi? Toi, t'es une femelle sans partenaire. Ben voilà. Voilà, et d'un. Et de deux. Et de trois, couple formé. Bon, on n'a plus qu'à aller chercher la météorite. Avec le petit, bien évidemment, parce que le petit doit tout connaître. Voilà. Alors, on va redescendre. On a vu que c'est par là. On va se trouver à boire, on va se trouver à manger. Faut pas s'inquiéter pour ça. C'est par là. Nickel. Et là, ce serait à manger? Je pense que oui. Là, ça a mangé aussi. Voilà. Et donc, on doit aller... par là. Mais en faisant attention, parce que... rappelons-nous qu'il y a quelques bêtes dans le coin. Non, là ça me paraît trop. J'aurais bien voulu un point d'observation, mais là ça me paraît trop. Hop. Il y en a un qui me suit, c'est très bien. Trouver des endroits où on peut extra... Ah, est-ce que ce serait pas ça la météorite? Je dirais que si, hein. Cachette, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecter. Moi je dis c'est un œuf. Ah.
Œuf de serpent. Oula! C'est quoi l'œuf? Je vais le manger. Il va pas être très content le serpent là. Je l'ai poussé à le tuer. Bah très bien, dans un sens, ça veut dire qu'il viendra plus faire attention à moi. Bon, les œufs crus, apparemment, c'est pas top. Arc. Ouais. Pourtant, hein. Ah tiens, là il y a un truc qu'on connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça brille? Ok, donc ça c'est... On a peur parce qu'on connaît pas. Ouch. Ah d'accord, il est caché, c'est très bien. Ah, je suis blessé. Allez, viens. Ah bah super. Pauvre facochère quoi. J'y sanguis à chaque fois, mais ouais, pauvre facochère. C'est bon, t'as trouvé quelque chose à... de quoi nourrir, c'est ça? On va aller tout près. Si on se sent mieux. Le tigre, ok. Granit.
Ah. On va essayer de... Il en manque un. C'est bon? Voilà, très bien, super. Et maintenant, il faut que je retrouve l'endroit. What? Ah, mais ça, c'est parce que j'ai été blessé, je pense. Hop. Ah, d'accord. Ça m'aide pas beaucoup vu que moi je voulais juste faire une couche, mais... Hop, on va retrouver ça donc. Inspecter. Vers un outil, à quoi sert-il? On ne sait pas, mais il sert. Ah, ce serait pas... Ah, ça c'est un nid. Donc... Inspecter. Bon, on inspecte le bâton, mais on s'en fout ça. Bon. C'est quoi? On va... On peut retrouver notre campement d'ici? Campement actuel, oui. On va y aller. Sinon, on risque de passer... un très, très mauvais quart d'heure. Donc en fait, on va aller, on va faire dodo. Et puis, ouais, parce que ça sent mauvais.
Allez, prenons un peu d'eau. Vite, il y a un serpent. Ouais, regardez là, un serpent trouvé. Vers où doit-on aller? Vers là-bas. Oh, est-ce que ce serait pas un bout de météorite sur notre chemin de retour? Inspecter. Repère, ok. Site de météorites. Et donc là, on a de la météorite en main, c'est ça? Minerai de météorite ou une connerie comme ça? Ah ben, on va faire quoi? On va la redéposer. Je suis sûr qu'on pourra faire des trucs avec, hein. Oh non, sérieux. Merci la nature. Sérieusement, quoi. On est encore loin de la maison parce que là on est en tellement mauvais état que... Non, on va pas être très loin. Pas être très loin mais... C'est quoi ça? C'est de l'obsidienne, c'est... Non, on résiste. Voilà. Ah bah on aura vu des choses aujourd'hui. Nous, une amitié avec un étranger, donc faut trouver un clan étranger, je suppose. On est encore loin, non? Ouais. Je sais pas si on va tenir jusqu'au bout, hein. Il y a encore un serpent, c'est sûr, je l'entends. Ouais, là.
Des serpents, des crocodiles, des tigres. Y a pas une cachette? Si, là. On peut peut-être aller dormir ici. Merde. Non, je veux pas. Allez, maintenant il faut remonter. Avec un peu de chance, on peut se mettre sur la branche. Mais c'est ici, hein. Ouais, c'est bon. On y est presque. Voilà. On est arrivé. Sommeil. Oui, sommeil, je m'en doute. Y a pas un nid ici? S'allonger. Sommeil. Pouf! Quelle expédition! Mort? On meurt encore? Super. Deux morts dans cet épisode. C'est une hécatombe. On peut dormir, s'il vous plaît? Sérieusement? Au moment où tu fais dormir, tu meurs dans ton sommeil, en fait, si t'es blessé. C'est ça? Parce que c'est le cas, putain, l'hécatombe que ça va être. Allez. Bah, deux morts, super. Moi, je suis quoi? On va aller se reposer, mais... Putain, l'hécatombe, hein. Mort, ouais, et on peut rien faire. Faisons un coup d'évolution, parce que là, super. Ah, nice. Alors, on a quoi? Ça, c'est quoi? Motricité. Motricité. Réaction aiguë au stress. Ok. On peut même contre-attaquer. Super. Alors ça c'est quoi? Dextérité. Ok. Ici on a quoi? Ça ce sera quand le petit va naître. Ok. Ici on a quoi? Intelligence. Meilleur, enfin, les ressources de plus loin, ok. Hop, et ensuite ici, ben, on va partir sur dextérité.
Ah, lâcher lors d'une esquive. Bah, super. Je sais pas si ça m'apporte beaucoup de choses, mais super. La capacité de détecter les éléments plus éloignés à l'aide de votre intelligence. Ok, ça m'aide... Je sais pas si ça m'aide réellement, mais... Et celui-là, motricité. Avec toute l'énergie qu'on a accumulée, j'espère qu'on va pouvoir le prendre. Voilà. Ok, bah aussi... Détection de plus loin, ok. Et là, ça donne quoi? Tenir debout pour marcher sur quelques mètres. Ça, c'est bien. Ok, et ici... Tenir un objet à deux mains. Par contre, j'ai plus d'énergie, d'accord. Ce sera ce que je prendrai quand j'aurai à nouveau de l'énergie. Voilà, sauvegarde en cours. On va pouvoir s'arrêter... Ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.